Welcome to Meet the Artist at Second Life 12B. I'm your host, Geraldine Gervoy, and I am joined by an amazing artist, Moya Patrick from France. And Moya, I want to thank you for staying up so late and joining us today. So what brought you to Second Life? I like to start at the beginning. Alors, quand j'étais étudiant en art dans les années 70, j'ai travaillé beaucoup sur la vidéo en direct, sur la télévision en direct. Et j'ai aussi travaillé avec les tout premiers ordinateurs, et en particulier le Thomson MO5. Et puis les premiers, avant Internet, en France, il y avait le Minitel, qui est l'ancêtre d'Internet. Donc j'ai travaillé avec le Minitel, et ensuite avec des logiciels de 3D pour créer mon propre monde virtuel. Et après, le jour où j'ai découvert Second Life, je suis tombé dedans, j'ai compris que c'était ce qu'il me fallait. Et voilà, et là, dès le premier jour, j'ai construit mon musée, en une journée, en une nuit, j'ai construit mon premier musée. And Second Life changed how you create the art. Alors, Second Life n'a pas vraiment changé mon travail, en fait. Je pense que c'est plutôt mon travail qui attendait Second Life. Je me suis préparé à Second Life. Juste évolué vers Second Life, et il évolue dans Second Life dans un sens qui était, on peut dire, déjà presque prévu. And has Second Life introduced you to new opportunities? Oui, Second Life m'a permis de faire des choses très intéressantes, comme par exemple des rencontres avec Mario Gerosa, le critique italien, qui est un spécialiste des mondes virtuels, qui a écrit plusieurs livres. Et avec lui, j'ai participé à une exposition qu'il avait organisée à Florence, à Firenze, au musée d'anthropologie de Firenze. Il a créé l'exposition Rinascimento Virtual, la Renaissance virtuelle. Et il y avait d'autres artistes de Second Life aussi, au Portugal, aussi à la Biennale de Cervera, où j'ai participé avec un direct. J'étais en direct tous les jours avec la Biennale de Cervera. And, what is it like being able to... Mon avatar, qu'est-ce que ça fait d'être, dans la peau de votre avatar? Mon avatar, c'est au départ, c'est comme une marionnette. Je suis le manipulateur de mon avatar. Mais maintenant, plus Second Life se sophistique et plus mon travail dans Second Life se sophistique, et plus c'est l'avatar devient l'artiste. C'est lui qui est l'artiste, finalement. Moi, je voulais devenir une créature, et finalement, c'est l'avatar qui devient... cette créature artiste. C'est lui qui est l'artiste maintenant. Okay, you did a show where you actually used virtual with real life things. How did that work out? Aujourd'hui, dans toutes mes expositions, tous les événements, il y a un événement parallèle dans Second Life. J'utilise aussi une partie de mon île de Second Life comme studio de cinéma. Et je fais entre autres pour le Carnaval de Nice, en collaboration avec le Carnaval de Nice, l'office du tourisme de Nice, je fais un carnaval virtuel où j'invite chaque année des avatars à venir participer. Carnival with many avatars of Second Life, and this movie is we can see this movie on the big screen in Nice, on the big place of Nice. When do you come to America? Ah, in America. Perhaps soon. Are you both coming? Well, Moya and Florence, thank you so much for staying up so late and joining us here at Second Life Birthday. Merci. Yeah, it was a pleasure hearing about your art. Enjoy your Second Life birthday. Oui, enjoy. Bon anniversaire. Birthday.